que tout le monde parle de Yuki. Taisez-vous. Le héros magique, mais où se cache Yuki maintenant? Il est temps de partir à sa rencontre. Partez à l'aventure avec cette carte. Magnifique carte. Wow. Ah non, ouais. Il est super énorme. Ça a l'air grand, hein. Il va pas descendre. Ouais, tu peux en prendre une même. Dingue. Donc partez à l'aventure avec cette carte et rayez les objets que vous trouverez dans le labyrinthe. Écoutez attentivement les artistes du cirque, peut-être qu'ils vous donneront des indices pour trouver Yuki. Vous reconnaîtrez Yuki grâce à 4 objets qui resteront sur la carte. Bonne chance. Ah oui, écrivez ici, papapap, le mot de passe secret que le jongleur vous chuchotera. Cirque La Roulotte, welcome back at Circus La Roulotte, du nom de notre arrière grand-père, de nom, pardon, over, grandfather, Jackie La Roulotte. Jackie La Roulotte. Wow. Un dimanche après-midi en plein cagnard, ça fume déjà là-haut. Oh. Mais oui, Jackie La Roulotte, un nom prédestiné, puisque effectivement, Jackie acquit sa première roulotte au début du siècle passé. Maya, un vorbestem de nom, van Jackie Coxon, erste Bonnmark, an het begin van de vorige eeuw. Et toute son histoire se trouve écrite dans ce livre. En zijn hele verhaal staat in dit boekje geschreven. Et moi, je brûle d'envie de vous la raconter. En ik brand van verlangen om het jullie te vertellen. Devant, rassurez-vous. Quand je dis je brûle d'envie, c'est une expression bien sûre. Hein, c'est sa manie, Evanspec. Il fait déjà assez chaud, on est bien d'accord. Regardez, madame n'en peut plus. Alors c'est le texte qui vous dérange. Mais non, car l'ami Jackie, notre belle ami Jackie, a démarré sa carrière de clown dans un petit cirque, le cirque fort dessus. On se vrille de Jackie. Jackie La Roulotte begon zijn carrière in een kleintje circus. Het circus fort dessus. Et là, il tombe rapidement amoureux de la fille du patron. Elle tira à une magnifique espagnole. En daar wordt hij als never leave op de dochter van de baas. Elle tira un prachtig Spaans. Ah, j'en vois qui la connaissent, ils en sourient. Mais oui, elle tira, c'est une belle espagnole. Et donc, elle tira fort dessus. Non, quelque peu tendancieux, je vous l'accorde. Était une trapéziste hors pair. Elle tira dans un trapèze artiste. Son truc à elle, c'était de virevolter dans les airs, comme un oiseau. The Hotter van Omdor de Luchtevlieg. Alsenvogel. Jackie, lui, pas du tout. Il avait plutôt le vertige. Jackie, helemaal niet. Hij heeft hoogtevrees. Mais, et vous l'avez compris, avec elle tira, c'était plutôt le vertige de l'amour que Jackie avait, n'est-ce pas? Oui. Ah, maar met elle tira, et très de liefde hoogtevrees, hein? Et un beau jour, elle op een mooie dag. Jackie fit ceci. Elle tira. Ma belle, elle tira mon livre de elle tira. Est-ce que tu veux m'épouser, Violette Maître? Elle a un grand, un beau yoga! Et après un grand et beau, oui? Oui! Ah. Voilà! Eh bien, elle tira fort dessus devant, elle tira la roulotte! Ah, si vous aimez les jeux de mots pourris, vous êtes au bon endroit! Bienvenue, elle tira les ondes. Over, you get it, Kroot Mooders. Elle est maintenant notre arrière-arrière, enfin vous avez compris, arrière-grand-mère. Mais plus important, Eltira et Jackie créent ensuite leur propre cirque. Eltira et Jackie créent toen hun eigen circus. In 1924, en 1924. Allô? 1924? Précis, on a bien violé, mais oui, il y a précisément 100 ans. Le cerveau ne brûle pas encore là-dedans. Je suis le seul que ça rend enthousiaste ou quoi? Ils en ont rien à cirer. Ils me vendraient pour quelques degrés de moins, n'est-ce pas? Oh. Incroyable. Mais oui, mes amis, mais depuis 1924, le cirque La Roulotte se transmet de père en fille et de mère en fils. Het circus La Roulotte sinds 1924 gaat van vader op zoon en van moeder op dochter. C'est fantastique, hein? C'est fantastique, n'est-ce pas? Oui! Et le labyrinthe en plein cagnard, c'est merveilleux aussi. Ah,
Mais oui. Oh là 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 là. C'est incroyable, n'est-ce pas? Rien que de voir vos figures se décomposer, moi, ça me fait ma journée. Ah bon, revenons à nos moutons. Mais oui, le cirque une fois créé, tout se passait bien. Sauf que, malheureusement, on fait des blagues, mais les temps, eux, sont plutôt difficiles. Et mes amis, bon, ne partez pas déjà. Ah, oui. Mes amis, malheureusement, en vérité, je vous l'ai dit, le cirque La Roulotte ne se passe pas comme il faudrait. Les temps sont durs. Et nous pensons à le vendre, malheureusement. Car, vous le savez, hein, c'est fini cette époque où les gens aimaient le cirque. Mais oui, ich muss die Universität und the Circus La Roulotte. Toute la last Ted nicht so gut. Ein bedenken selbst an Verkoop. In 1924, geen televisies, smartphones et tablettes. Mais oui, en 1924, nous n'avions pas toutes ces tablettes, télévisions, smartphones et autres objets de l'automatisation massive. Eh oui, mais heureusement, le petit Yuki est arrivé en tout quoi Yuki. Little Yuki, vous connaissez Yuki? Qui arrive à résister à la chaleur encore à ce stade-ci? Mes amis, ah Yuki, il est fantastique! Eh, est fantastique Yuki! Eh, il est un acte cirque, hein? C'est un vrai fan de cirque, un peu comme toi, n'est-ce pas? Oui! Ah, si ça n'était pas le cas, tu serais mal tombé, évidemment. Ah, mais oui! Ah, ce serait génial que vous puissiez le rencontrer! Et donc, Berbixen, Sully, and Zod Hansmutter! Et Bac, tu as une petite idée, j'ai une très bonne idée. Plutôt que de l'attendre, essayez de le trouver. Robert Rendante Vinde. Mais oui, en vous promenant dans ce labyrinthe, vous découvrirez des indices qui vous permettront de savoir de quelle façon il est habillé. Et si vous avez une certaine résistance à la chaleur. Ils ne rigolent plus, ils sont déjà saturés, ils n'en peuvent plus. Ah, mes amis, mais oui. Tervel, Ulibert, des labyrinthes Wandelon, je le nulli en Yaisingen Handbecker, over Hurheke Kletis. Et grâce à ces indices, vous pourrez le reconnaître. Et dans ces Yaisingen, je le nulli hem herkennen. Et écoutez bien, Lusterhut, quand vous l'aurez trouvé, dites-lui le dernier indice que vous obtiendrez à la sortie du labyrinthe. Als jullie hem gevonden hebben, zeg hem de laatste aanwijzingen die jullie bij de uitgang van dit labyrinthe vinden. Et si c'est vraiment lui, alors il vous donnera une surprise. En als het echt hem is, zal hij jullie een verrassing geven. Alors vous allez aller le chercher, n'est-ce pas? Accord, tiens! Mais voilà, c'est ça l'idée! Derrière! Allez toujours regarder la définition du mot enthousiasme au dictionnaire, ça vous sera utile. Allez les amis, sur cette bonne note, je vous souhaite bonne chance, welke Luc Mundbrinde, mais d'abord et avant tout, bienvenue au Cirque La Roulotte, welcome back at Circus La Roulotte. Thank you.
en voulez encore? Oui. Ok, je vais avoir besoin d'un coup de main. Est-ce que tout le monde peut souffler vers la balle en même temps? On souffle, hein, on ne crache pas. S'il vous plaît. Ok. 3, 2, 1. Merci Christophe. Salut. Salut. Bonjour. Moi c'est boule. Boule, pas balle, hein. La balle c'est cristal. Ça va? Pas cristal. C'est cristal ma balle. Et moi c'est juste boule. Et c'est bien comme ça. Je suis un artiste et comme tous les artistes, je me dois d'être polyvalent. Vous savez ce que ça veut dire qu'être polyvalent? Exactement. Être polyvalent, c'est pouvoir faire différentes choses, mais plein d'autres choses différentes. Par exemple, j'ai construit le chapiteau de cirque. Puis, j'ai fait de la poésie avec une balle. Et au cirque, c'est vraiment très important. Par exemple, dans notre grande famille, mon père, il est docteur. Et puis, mon frère, il jongle, lui. Oh, et ma soeur? Elle a toujours le mot pour rire, c'est vraiment un clown. Vous voulez un autre numéro? Oui! Ok, on recommence. Est-ce que vous voulez un autre numéro? Oui! Génial! Est-ce que vous savez ce que c'est? Un diabolo. Exactement, c'est un diabolo. Mais là, je vais vous faire un numéro spécial parce que je fais du diabolo uniquement avec une ficelle. Ok. C'est une blague. Je sais pas trop de comment ça fonctionne du coup. On va expérimenter ça ensemble, ça va? Même si ça vous va pas. Bon, c'est pas ouf hein, ça. Non, c'est pas ça non plus. Là, ça fonctionne mieux. Et je vous ai déjà dit que le cirque, ça pouvait être dangereux. Surtout avec moi. Bon, Ça, c'est pour ma sécurité. Vous, vous faites ce que vous voulez. Ok? Wow, ça marche. Les applaudissements, ça fait plaisir. Ouais.
Bon, on va continuer un petit peu. Mais là, j'ai envie d'essayer sans ficelle. Voilà. Juste pour vous. Vas-y. Oui, alors, mesdames, messieurs, les enfants, dames et Kinder, j'ai l'honneur de vous présenter à tous mes amis, le roulement de tambour, drum roll. Marguerite Lavache de Tours. C'est bien son nom. Tricoteur, tendre et cantabot. Picoti picote à la poule de Tours. Et enfin, le dernier n'est pas le moindre, Lars de Marny de Minst. Fendus le cheval et passe. Très très bien. Maintenant que nous sommes prêts pour le grand spectacle du Dapeklazen voor de grote show, que nous beginnen, on peut commencer. Attention. Et on fait le beau, en star. Voilà. On fait le beau, en star. Allez les amis, commandez. Il ne se passe pas grand chose, hein, River River. Vous savez quoi, je crois qu'ils ont juste besoin d'un petit peu d'aide. Denk dat ze gewoon een beetje hulp nodig hebben. Est-ce que quelqu'un sait faire le bruit du chien? Kan iemand het geluid van een hond doen? Hé? Toi, t'as fait wouf wouf. Viens, t'as fait wouf wouf en premier. Tu peux venir t'asseoir juste ici. C'est un rêve qu'ils disent, t'as fait wouf wouf en premier. Viens là. Prochain, t'es au taquet. Encore? Maar hier komen ze bij. Maintenant, j'aimerais entendre une poule, une kip, un subit. Ton frère est là. Ouais, yeah. Donner ça à Jason. Non, pas devant. On ne sait pas à cause du poteau, il n'y a personne qui s'est allé devant. Donc maintenant, ici, tu vois. Tiens. Est-ce que je peux entendre une vache, une cou, un subit? Ouais, très très bien. Bien. Tiens. Maintenant, j'aimerais entendre un cheval, un parle, un sublift. Ah, un cheval, tu peux venir t'asseoir juste là. Très très bien. Maintenant que j'ai mes quatre animaux, nous avec Melvire dire à mon signal, vous prenez votre animal et vous le levez bien haut au-dessus de votre tête. N'aimes-tu pas? Non, pas maintenant, mais encore. C'est clair. Donc, u neemt u dier en hoog boven uw hoofd houden. Ça va? Ja. Attention. Et on fait le beau, opstaan! Ouh, c'est beau! Les bleus chers! Ouais! Très bien! Il me manque encore deux animaux, ik ben nog twee dieren tekort. Je vais devoir choisir quelqu'un dans le public pour venir faire ces animaux. Ils ont iemand moeten kiezen in het publiek om die dieren te komen spelen. Et je vais avoir besoin de quelqu'un d'élégant. Ils ont iemand élégant pour les Aldo. Quelqu'un de. Non, il est moche. Précieux, iemand précieux. Sophie. Oui, ils ont les kiezen. Charline. Jonas. Charline. 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 Alors, me dire des prénoms, moi, ça ne me sert à rien. Lequel? Lève la main. C'est toi là-bas? T'es un petit peu trop petit pour ce dont j'ai besoin. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un de grand, de barbu et de chauve. Tu crois que tu en vois un quelque part ici? Est-ce que tu vois un grand barbu? Charlie, est-ce que tu peux m'indiquer un grand barbu chauve? Juste là, parfait. Allez, viens. Okay.
plus chelou. Eh bah oui. C'est un rouleau poilu. Un rouleau poilu. Essayez-vous. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort. Bariton l'éléphant. Maintenant, je vais avoir besoin de quelqu'un d'agressif. Agressif, Nordic. J'ai besoin de quelqu'un de dangereux et qui pigmente Gevarlek Nordic. Et je crois que je peux choisir. Thomas. Madame. Il a bien senti le bazar. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, dames et messieurs, on applaudit bien fort. Paribol le tigre à la terre. Mais ce n'est pas tout, cher public, dans ce nierlessly le public. Un que dire, zan une grotte truc, mout, tourne, tourne, vous riderez. Chaque animal va devoir venir montrer un grand tour devant tout le monde. Et nous allons commencer juste après la photo. Salut. Et nous allons commencer par notre cher Picotti Picotans Olive qui est pour le stade. Tu peux venir te tenir debout juste ici avec la poule si tu veux bien. Picotti Picota est une poule très spéciale. Picotti Picota est une rayon spéciale équipe. On date est une sportive équipe. C'est une poule sportive. And the camel salto too. Elle sait faire un salto. Est-ce que tu sais faire un salto? Bon, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la poule, tu vas la lancer en l'air et la rattraper avant ce qu'il y a. Attention. Et on y va. Tu peux me refaire le coup de la poule, s'il te plaît. Oui. Tu peux retourner ta soirée, on l'applaudit bien fort. Merveilleux. Maintenant, notre cher Fidelio, on se dit le Fidelio de Rome, soit here, comme ça, tu peux venir te tenir debout ici avec le chien si tu veux. Vito, tu vas voir, ça va être rigolo, on va danser à deux. Tu veux danser avec moi? Non, tu veux danser avec moi? Tu veux danser avec moi? Parce que tu viens de faire le cri de Jonas. Je te demande de filmer. Miaou! Elle est là. Regarde, il l'a mise là. Non, tu l'as mis. Non, le parfait. On a Christelle en vidéo, là, ça va être génial. Allez, ça va. Alors, on va passer à notre cher Fardus. On se dit le Fardus, car les hirs comme ça, tu peux venir te tenir juste ici avec le cheval, s'il te plaît. Alors, Fardus va devoir faire quelque chose d'un tout petit peu compliqué. Fardus va devoir faire quelque chose d'un tout petit peu compliqué. Fardus va devoir sauter au-dessus de mon bâton. Regarde, Overman Stoke Moot Spring. Et toi aussi. Alors. Ça va? Là? Là, ici? Je suis pas au-dessus? Très bien. Alors, à 3, 4, 1, 2, et 3, vas-y! Ouais! Très bien! Est-ce que tu veux faire le cul du cheval, s'il te plaît? Oui! Ouais! Je vais mettre la soirée, on l'a fourni bien fort après avoir suivi! Boy, get down! Maintenant, notre chère Marguerite la vache, on délivre Marguerite, tu peux venir te tenir debout juste ici, s'il te plaît. Et Marguerite va devoir faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Marguerite va devoir passer en dessous de mon bâton, j'ai un Underman Marguerite va devoir passer en dessous de mon bâton, j'ai un Underman Stop Motocom. Tu vas devoir passer à 3 en dessous de mon bâton, ça va? Tu es prête? 1, 2, 3! Allez, vas-y! Ouais! Quel bruit c'est la vache, dis-moi! Oui! Je vais te faire t'asseoir, on l'a trouvé bien fort! Tu veux bien venir avec moi? Non, tu veux pas? Tu veux quelqu'un? Ouais? Ah, très bien! Tu veux venir te mettre juste là? Et on l'applaudit déjà, s'il vous plaît! Alors. Fidelio, c'est un chien très spécial. Fidelio est un hare spécial rond, on note le danse de rond. C'est un chien dansant. Et sa danse préférée, c'est la Macarena. Dans le livre, il se danse de Macarena. Tu sais danser la Macarena? Non? Tu veux qu'on danse la Macarena à deux? Tu fais comme moi, ça va? Tu peux déposer le chien juste là? Tu peux le déposer juste là à deux. Tu veux pas? Ok, alors tu vas juste te dandiner avec le chien, ça va? Pendant que nous on chante. Ça te va?
Ouais. Attention, tout le monde sentait la Macarena. Ouais. Ouais, pas. Donc. À 3, 1, 2. La 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 la. Il a été très très courageux, on l'applaudit encore bien fort, ouais, ouais. Et un mood très très bien. Et maintenant, pour mes deux tours les plus importants, notre cher baryton peut venir se tenir debout juste ici, s'il vous plaît. Si, si. Je vous en prie. Ouais. Alors. Bariton a un talent caché, bariton heeft geheim talent, bariton kan met zijn ogen klap, bariton peut applaudir avec les oreilles. Est-ce que vous savez applaudir avec vos oreilles à vous? C'est un peu dommage, mais bon. Alors, à mon signal, quand je claquerai le fouet, vous allez prendre les deux oreilles de bariton et taper devant vous, ça va? On sort les caméras. Attention. Fume pas, toi. Si, si, prends les oreilles. Et on y va! Ouais! Très bien! Et quel est le cri de l'éléphant? Pensez trompette enrhumée. Voilà. Exactement! Parfait, je vais reprendre le baryton. Vous pouvez retourner vous la soirée, on applaudit monsieur bien fort, s'il vous plaît! À part un public! Et maintenant, pour mon tour le plus dangereux. Mais je vais le que truc. Silence, s'il vous plaît, stéantance sublift. Parce qu'un tigre, c'est un animal terriblement dangereux. Un tigre is an air, hell, je vais le que dire. Si vous lui faites peur, si lui est un bang mac, moi. Attendez, je prends la calèche. Donc, parimol, si vous voulez bien vous tenir juste. À mon signal, quand je claquerai du fouet, vous allez ouvrir grand la bouche et rugir. C'est pas grave, me faites pas trop peur. Attention. Je me prête. Et on y va. Oh, ça me demande pas trop. Hein, que... Bon alors, je vais reprendre mes oreilles. Attention. Attention. Voilà. Et on applaudit madame, s'il vous plaît. On applaudit. Très très bien. Merci beaucoup les amis de m'avoir aidé à rendre mon cirque un peu plus en bedaille. Lieve vrienden, dat is een circus een beetje meer levend hebben gemaakt. Tout ceci, c'est grâce aux idées de Yuki. Dit allemaal is dankzij de Yuki's idées. Dus als jullie hem terugzien, quand vous le reverrez, dites-lui encore un grand, grand merci de ma part. Zeg je maar nog eens, bedankt voor mij, ja? Ah oui. Et un petit indice pour vous permettre de reconnaître Yuki. Een kleine aanwijzing over hoe jullie Yuki kunnen herkennen. On écoute bien, là sur route. Yuki ne porte jamais de pull, même quand il fait froid. Yuki draagt nooit een trui, zelfs als het koud is. Okay. Merci beaucoup les amis, bedankt voor de vrienden. Pas de pull. Oh wow. Hop là.
Bonjour tout le monde. Hallo Alma. Où est-ce que tu Et vous allez bien? Oui. Moi je m'appelle Yopla. Ik heet Yopla. Omdat soms, parce que parfois Yopla boum. Bah oui. Wij maken quoi? Een circus van ze. Chez moi le cirque, c'est venu un petit peu comme ça. Oui, Céline, il faut écouter. Chez moi le cirque, c'est venu un peu comme ça. J'ai commencé à m'amuser avec une, puis deux, puis 10 balles. Ik begon te spelen met een, twee balles, en voilà! La passion était là, de passy was heure. Et vous savez quoi? Ah, c'est bien, il y en a au moins un qui me répond, c'est déjà pas mal. And what and you li what? Et vous savez quoi? Je vais quand même reposer la question. Non? La jonglerie, c'est vieux, très vieux. De jongleries, out, maar out. Un beau jour, ou peut-être une nuit, quelqu'un s'est mis à jongler avec ce qu'il trouvait. Opendak, begon, iman, te spelen met wat hij vond. Des petits bouts de bois, stukje out. Des cailloux, stenen. Merci. Tagatus Ursus, un Romain, prétend être le premier jongleur officiel. Tagatus Ursus en Romain, beweert dat de eerste officiel jongleur is. Hij jongleert met glasballen. Il jonglait avec des balles en verre. En verre. Van glas. Son numéro est à terre. Zegne act and dickeling. Eh ben oui. Alors, comment on commence à jongler? Où peut-on mieux te jongler? Ah, ik ben niet voor jullie. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut du temps et de la patience. Je ben que duldig en tijdnodig. Et surtout, surtout, ne pas avoir peur de en voral. Niet zijn bang om. Oh, recommencer. Opnieuw te beginnen. Hop, ha, oh. Opnieuw te beginnen. Recommencer encore, encore, etc., etc. Oh. Et quand. Merci. Franchement, bon public là, j'aime bien. Et quand tu t'es bien entraîné, als je goed getraind. Je kunt jongler met wat je wil. Tu peux jongler avec ce que tu veux. Des pommes, apples, des citrons, citrons. Met, misschien met mijn pet. Peut-être avec ma casquette. On peut aussi jongler avec. Je kunt jongler ook met. Kleine kinderen avec des petits enfants. Non, je rigole. Dat is voor lol gemaakt. Ik maak een grapje. Je fais une blague. J'ai essayé une fois. Ik probeer een keer. Blarg. Non. On peut aussi jongler avec des assiettes. Je kunt jongler ook met borden. Ha ha! Hop! Ha ha! Dat is voor dat. C'est pour ça. Les enfants, kinderen, de eerste keer, les premières fois. Évitez peut-être la vaisselle. Vermin dan toch met het service, hein? Bardaf! Oh, je suis désolé, maman! Alors, qui d'entre vous a envie d'essayer de jongler avec moi? Oui, William, probeer te jongler, respect. Ce n'est pas si difficile. Madame, vous montrez du doigt, je crois que c'est vous qui allez venir. Ah oui.
Ah bah viens, mademoiselle, viens. On peut l'applaudir bien fort. Charlie, t'appelles comment, Charlie? Ok, je l'ai bien dit. Ok. Charline, nous allons commencer avec une balle. We begin met une balle. Une pour me, une pour moi. Et une pour you, une pour toi. On va ouvrir les mains bien grands vers le ciel. Et on va lancer la balle à peu près à la hauteur de notre casquette. Comme ceci. Un, deux, un. Ah, faut changer de main. Tu veux essayer avec deux? Oui. Avec deux, c'est un petit peu plus difficile. Mettre tous les balles, that is a bit more like it. Regarde bien. Cake. And you lead Hawk, et vous aussi. Parce que jongler à deux balles, ce n'est pas mettre tous les balles. That is neat. That is not good. Ce n'est pas bon ça. Zo, comme ça. In, tué. Un, deux. Allez, Charline, tu peux faire. T'essayes de les croiser? Une à la fois. Une à la fois, tu fais la main que tu préfères. Un, deux. Alors, tu vas continuer à essayer. Continue, essaye. Vous, vous l'encouragez. Et moi, je vais aller couper la musique. Charline, 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 Charline. Alors, t'y es arrivé? Oui. Faire un, deux. Vas-y, monte. Ah, t'as fait, tu fais les deux en même temps, mais c'est très bien quand même. Regarde. Un, deux. Tu fais une main puis l'autre. Maintenant, c'est très bien. C'est quoi, c'est très bien comme ça. Continue comme ça, Charlie. De toute façon, Yuki, c'est un grand fan de jonglerie. Yuki, c'est une grosse fan de jonglerie. Mettre une balle pour Yuki, that is El Hood. Même avec une balle, pour Yuki, c'est très très bien. D'accord? Tu n'oublieras pas de montrer ce que je t'ai appris à Yuki quand tu l'auras trouvé. Oui. Je vais le redire en irlandais, tu me dis ya ya quand j'ai fini. Par qui tu need des actes à Yuki te la tenzine. Ya ya. Oh, on nous voit. Voilà, salut à tout le monde. On vient de faire le labyrinthe de Durwi. Moi, je voulais juste dire que c'était super super chouette. Un peu long. Mais chaud. Un peu long et très tôt. Il faisait vraiment chaud. Les spectacles, moi, je trouvais ça ludique, drôle. Je sais pas ce que t'en as pensé. Vous verrez les spectacles. Voilà, on va pas spoil. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Hein. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.